qu'on viendra supprimer la TVA et effectivement avoir une fiscalité sur les revenus qui soit proportionnelle aux revenus et qui permette de taxer véritablement les plus riches. Les cadeaux encore aux entreprises, sans contrepartie, ça c'est absolument... Alors, 183 milliards pour la simple année 2011 d'aides de toutes sortes pour les entreprises, avec tout le monde a fait le constat, plus de chômage, plus de misère, plus de précarité, de délocalisation. Donc ça veut dire que cet argent n'est pas sous et il sert à quoi? Il sert à spéculer sur notre dos. Donc ça, on peut pas continuer à accepter ça. Donc il y a encore des milliards de cadeaux qui vont être faits aux entreprises sans qu'il y ait pour autant obligation de résultat. Et donc je crois que là, effectivement, on a amené des bagarres dans les entreprises, on a amené des bagarres dans la rue aussi, et à faire montrer notre mécontentement et à exiger une autre politique que celle qui est menée et qui va se mettre en œuvre aujourd'hui. Voilà, donc je dis bonne manif. Alors je veux bien, André va dire le parcours en gros. Voilà. Il dit bon mot. Et il dit bon le parcours. Oui, voilà, je suis André Cachet pour l'Union syndicale solidaire. Alors nous, aujourd'hui, on considère que cette journée, c'est un début de mobilisation. Il faut que nos pouvoirs publics, qu'ils soient français ou européens, comprennent bien que nous, ce qu'on veut, c'est la redistribution des richesses. On en a marre de l'austérité. On ne veut pas devenir des Espagnols ou des Grecs qui sont dans la mouise la plus complète, que ce soit les travailleurs du privé ou les travailleurs du public, d'ailleurs. Donc d'aujourd'hui, on est là pour appeler à continuer l'action et à mobiliser de plus en plus de manière à faire comprendre à nos pouvoirs publics que ce n'est pas la société qu'on veut qui nous impose. Voilà.